Je pense que c'est ça, ça veut de ceci. Une aiguille? Toi, avancez-vous! Toi, tu restes ici. Tu me dois des explications. Mais... C'est quoi son intérêt de travailler avec nous? De toute façon, on le saura. Ce qui m'intrigue, c'est le fait que ces revendicants aient démenti les infos qui circulent. Je me demande s'ils ont raison ou c'est de la stratégie. Je doute fort qu'il n'ait pas raison. Ou encore moins que ce soit de la stratégie. Parce qu'à la vérité, le stratège ici, c'est la personne qui est derrière ce présumé enlèvement. Je vais pas laisser craigner cette aiguille. Cette aiguille a atterri là au hasard. N'est-ce pas? Comme la fois où les barreaux étaient ouverts. C'était le hasard. Tu me fais mal. Je savais que c'est toi que Kal a protégé. Tu me fais mal. Crève de douleur. Crève. Tu ne sais pas dire. Manon, s'il te plaît. Non, Manon. Monsieur le gouverneur. Ravi de vous rencontrer aussi. Mais... Kakou ! On va faire simple. Mais si... C'est nous qui poserons la question. Qu'est-ce... Ne laisse pas cet élément nous nuire, s'il te plaît. Je comprends pourquoi tu penses à Kal quand je te fais l'amour. Tu couchais avec lui dans mon deuil, c'est ça? Non. C'est faux. Je te jure qu'il ne m'a plus jamais touché depuis des années. Depuis plus de 10 ans, tu es le seul homme avec qui j'ai de l'intimité, crois-moi. Qu'est-ce qu'il y a encore, docteur? Une hypertension. Nous avons réussi à le calmer, mais il est plongé dans un profond sommeil. Nous allons le garder en réanimation pour voir comment il évolue avec le temps. Ça veut dire qu'il est dans le coma? Oui, madame. Nous faisons de notre possible pour le garder en vie. Seul Dieu et la volonté de ce petit peuvent l'aider à s'en remettre. Mais je peux tout de même le voir? Non, je suis navrée. C'est mieux que vous rentrez chez vous, madame. S'il y a du nouveau, on vous fera signe. Excusez-moi. Tiens, bouffe ça. C'est secret de grand-mère, ça va te faire du bien, connu. Ah, c'est à même. Tu ne veux pas guérir ou quoi? J'arrive pas à comprendre ce qu'il veut à la fin, ce mec. Arrêtez-moi tout ça. Tu me bois, arrête ton cycle. Alors si tu ne veux pas aller avec nous, retourne à la voiture. On n'est pas venu blaguer ici. Les gars, on a du chemin. Allez, suivez-moi. À vos ordres, mon général.